Hier, la PJ m'a contacté. Je vous demande pardon, les gars. Les gars, c'est le message de votre engin. Pardon. Stoppez ce que vous avez commencé. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis désolé si je n'ai pas pu réagir avant. Excusez-moi, j'étais un peu pris avec les shows et tout. Ce message, c'est pour mes frères de Port-Gentil. Les gars, rendez-vous compte que le simple fait que je sois venu vous voir au ghetto il y a quelques jours, hier, avant ma prestation pour le président, la PJ m'a contacté en me disant qu'on a besoin de moi pour nécessité d'enquête. Les frères, avec ce genre de comportement, comment voulez-vous que nous puissions être en contact, en harmonie? Comment voulez-vous que nous puissions nous rapprocher de vous, les gars? Avant de faire certaines choses, pensez aussi, les frères. Vous allez m'excuser si je vais citer les noms, mais au temps d'Ali, vous ne faisiez pas ça. Non, au temps d'Ali, tout ça avait déjà stoppé. Personne ne faisait ça, les gars, parce que vous saviez qu'immédiatement, c'est la prison. Mais le nouveau président est venu, M. Oligui, comme il laisse un peu de largesse, vous abusez. C'est l'image du Gabon que vous voulez salir. Le Gabon est un pays de paix depuis des années. Mes frères de Port-Gentil, je ne sais pas ce qui s'est passé réellement. Je vous demande pardon, les gars. Les gars, c'est le message de votre engin. Pardon. Stoppez ce que vous avez commencé. Les gars, s'il vous plaît, stoppez ce que vous avez commencé. Je suis en train de revenir là-bas, j'ai une prestation le 30. Je n'aimerais pas venir trouver ma ville en sang. Que Dieu vous bénisse et que Dieu touche votre cœur. Parce que vous êtes en train de créer une terreur qui n'a pas lieu d'être, les gars. Les gars, à cause d'un téléphone, tu vas mourir. Ah, nous-mêmes, on va encourager les niais à vous tuer maintenant, hein, parce que ça devient trop. Et vous voyez que tout retombe sur nous, les artistes. On a fait quoi? On ne sait pas. Que Dieu vous bénisse, on est ensemble. Merci.